Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Perassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 537 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du, bien sûr, Definitive Edition, pardon, pas l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien, pour ma part les amis, un petit peu fatigué, mais je vais bien, ne vous inquiétez pas. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 537, souvenez-vous dans l'épisode précédent, on avait continué le mode aventure dans la carte des mers, on est à 57%, plus que 43% les amis de cette carte des mers. Souvenez-vous dans l'épisode précédent, on avait récupéré une nouvelle arme de niveau 2 avec Link et son réceptacle, son fragment de cœur, pardon. Et son habit de fée, enfin en tout cas l'habit de fée. Je vais vous montrer à quoi correspond du coup le gantelet, enfin ce qu'on a obtenu. Donc c'était un nouveau gant, donc c'était le gantelet d'or il me semble, donc il est là. Donc le gantelet d'or, donc c'est ce qu'on va je pense utiliser parce que il n'y a pas de choses requises ici. À part du coup en victoire de rang A, vous avez vu qu'il y a du coup un matériau ultra rare. Donc on va du coup découvrir ce matériau ultra rare. Donc et on peut voir qu'on a une règle des mers, donc on peut hein, mettre le truc, mais la flemme, je pense que honnêtement, je n'ai peut-être pas utile, ça dépend. Objet d'attaque interdit, voilà. Normalement, on pourra s'amuser, enfin, on pourra être tranquille, hein, il n'y a aucun problème. Donc, amusant, les fantômes farceurs, donc écoutez. On peut voir qu'en face de nous, nous avons du coup des maîtres Salfos, des Jibdo et en plus Skull Kid. Donc on va utiliser le Link avec du coup le gantelet d'or pour découvrir, hein, on va profiter. Et c'est dans la forêt de Chiron, donc on va quand même mettre une petite tenue qui s'adapte bah, Breath as well, peut-être. Voilà, ce serait bien de voilà, un petit peu de changer. Donc et ça s'adapte bien hein, dans la forêt de Chiron, un petit truc de Breath as well. Pourquoi pas. Et donc du coup, bah, on va tout simplement utiliser le gant d'or, le gantelet d'or, pour découvrir un petit peu, enfin, à quoi ça se retourne tout ça. Alors du coup, champ de bataille. Oh mon dieu. Ah oui, effectivement. Alors, nous avons Ruto, Daronia, Lincoln avec nous et des Captains d'Hyrule. Et nous avons en face, nous avons Skull Kid, Incero, ok, des Jibdo et des maîtres Stalfos. Ok, et la base ennemie, donc bon, hein, quoi qu'il en soit. Putain, par contre, on n'a aucun fort. Ah oui, d'accord, oui, je vois bien, on n'a aucun fort. Ok, pourquoi pas. Et ah oui, j'imagine qu'on va devoir du coup vite se précipiter et aller sauver nos amis. Ah oui. Eh oui, oui, oui. Alors, par contre, oh, putain, d'accord. Ouais, déjà, c'était badass. Alors là, la Link est en train de devenir fou, en fait. Honnêtement, déjà, c'était très badass, mais là, Link est... Il est fou. Ouais, par contre, j'aimerais bien prendre ce fort, justement. Eh ben, putain, on met 5000 ans à le prendre, ce fort. Voilà. Comme s'il était renforcé en fait. Merci. Ok, des difficultés, ça commence. Allez, on y va, on va vite l'aider. Ouais. Bon bah, état danger de mort. Magnifique, ça commence. Fuite, ah oui. Ça commence bien. Bon, par contre, là, ça va être un petit peu compliqué, cette histoire. Ouais, ça va être un peu compliqué, cette histoire. Tout le monde fuit. Merci. Non. Merci. Alors, par contre, honnêtement, je kiffe l'arme. On est en train de tout défoncer. J'adore cette arme. Honnêtement, le gantelet d'or. Merci. Le petit chef de poste. Bon, on a déjà un fort déjà avec nous. C'est déjà une bonne nouvelle. J'aimerais bien en avoir une deuxième, honnêtement. Oh, attends, difficulté, merde. On va vite devoir s'accélérer. Ah, est en danger de mort. Et c'est le mauvais. Donc on va vite. Ouais, d'accord. Ben, on est mort, hein, je vous le dis. On a perdu. Il est trop loin, donc fuite. Ah non, ça va, c'est pas celui que je pensais. Ah, Incero. Incero. Bon, par contre, il y a tout le monde qui fuit. Hein. Magicien sombre, Incero. Et non, ça fuit.
Donc on va vite devoir aller l'aider. Qui amenise leur troupe. Ouais, putain. Merci. Alors, l'Egypto. Merci. Là, j'ai pas d'objet d'attaque, donc à partir de ce moment... Merci. Alors, oula, attention. Ah, est-ce que j'ai une sirop? Ouais, j'ai une sirop normalement. Dans le truc. Voilà, déjà, je l'ai touché. Merci. Parfait. Bim. Alors, par contre, toi, une sirop, on se calme. Bah, putain, wow, on est en train de le défoncer. What the fuck? On est en train de tout défoncer. Le voleur de magie. Merci. Ça, c'est fait. Bon, par contre, il y a un nombre d'ennemis, mais incalculable. Incalculable le nombre d'ennemis. What the fuck? Un soldat d'avocateur est apparu. Donc on va vite aller niquer le soldat d'avocateur. Et en plus, ils ont ouvert du coup. Il y a des cocottes. Super, magnifique, comme si j'en avais besoin. On est à combien? 3 minutes? Ça peut tenir. Ça peut tenir. Donc on va vite éliminer le soldat d'avocateur. Hein, tout simplement. Merci. Putain, ça fait tellement mal par contre. À mon avis, face à un boss géant, je pense que tu le défonces. Tu défends sa jauge de coup fatal en fait. Merci. Voilà. Allez. Fort pris, fort à danger. Évidemment, il fallait s'en douter. Fort à danger. Donc on va devoir vite y aller. Vite, vite, vite y aller. Putain, c'est un danger. Putain. Ah, par contre. Laissez-moi des kills. Bah ouais, mais putain, oh là là, on va pas y arriver. Si tout le monde est en danger parce que ces connards qui font n'importe quoi, c'est normal, hein. Je vous le dis, c'est totalement normal. Donc vite, on y va, on y va, on y va. On va vite assister le fort parce que là, le pauvre, il prend cher, hein. Il prend très très cher notre fort. Oh my god, what the fuck. Ah, super magnifique, j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps. C'est une vanne. Merci. Alors, du coup. Fuite, magnifique. J'adore, putain, sérieusement. Eh ben, putain. On aura fait des kills, hein. Oh, le bâtard. Mais il fuit encore. C'est incroyable. Comment tu peux fuir? Non, mais n'importe quoi. Ah, ça va, n'abusez pas, quoi. On est à 5 minutes. Vais-je y arriver? C'est une tellement très très bonne question. Normalement, je pense que oui quand même. Bon, c'est bien parce que justement, du coup, c'est remplacé par de la magie. Donc finalement, en fait, c'est un mal pour un bien, en fait. Parce que si on en a vraiment besoin, on l'a de côté. Et du coup, le petit coffre. Ah, super, magnifique. Bon, bah écoutez. Bon, le capitaine de raid, il va mourir. Ruto est en train de gérer. Et nous, ben, on va tenter de tout niquer. Surtout ici. Parce que là, du coup, regardez le nombre d'ennemis. Non, mais what the fuck? Calmez-vous tous! Calmez-vous tous! Voilà! Merci. C'est bon là? Bon. Ça les a calmés. Maintenant. Alors, je sais pas c'est combien d'ennemis, hein, mais je vais pas me faire avoir. Donc on a large le temps. Donc on va tenter de tout niquer, hein, je vous le dis.
On va tenter de tout niquer, donc... Merci. Allez, viens. On est enfin entré dans le fort, du coup. Non, 1500. Oui, voilà. Le fameux grand arbre de l'Ouest. Alors, du coup... Merci. Ça, c'est fait. Le chef de poste. Voilà, l'autre chef de poste également. On va faire le truc à 100%. On peut se le permettre. Quand on a le temps comme ça, on peut se le permettre. Merci. En plus, du coup, on gagne des troupes en même temps avec nous. Ok. Alors, le chef de boss du fort. Merci. Alors. À mon avis, c'était Captain de Raid, hein. On est bien d'accord, là. Ouais, Captain de Raid. Si, ils vont bien gérer, ils sont tout, il y a tout le monde. Ils vont bien gérer. Alors, du coup, on va se TP là. Et on va tenter de finir ce qu'il reste, tout simplement. T'as 8 minutes. Par contre, il faudra faire attention parce que si on y va trop tard... Bon, on va tenter de prendre ce risque, mais ça va. Merci. Alors, merci. Le boss du fort. Voilà. Alors, ce qu'il y a là-dedans, ok. Oula, attention. S'il te plaît. Voilà. On est à 9 minutes. Ouais. En espérant que tout se passe bien. La part du boss du fort. Merci. Bon. Bon, bon, ben on a bien géré, hein. On a très bien géré. Et du coup, le petit chef de poste. Et maintenant, on va défoncer le monstre en question. Le chef des troupes ennemies qui est normalement... c'est pour Skull Kid, voilà. Skull Kid, Skull Kid. Alors, du coup... Le petit Skull Kid. Alors, lutin malicieux, Skull Kid. Alors, évidemment, c'est pas pour question de facilité hein, que j'ai choisi Link. J'aurais pu choisir un autre perso. Hein. C'est juste simplement, vu qu'on a débloqué l'arme de niveau 2, je voulais tester avec Link. Sinon, j'aurais pris un Master Sword pour me faciliter la vie, par exemple. Si vous voulez vraiment me faciliter la vie, mais là, vraiment, c'était pour tester une nouvelle mécanique. Voilà, quoi. Hein. Tout simplement, je pense que vous m'excuserez. Hein, voilà, quoi. Et en même temps, ça permet également pour vous de varier. Parce que finalement, en fait, Link, à la force qu'on se dise « Ouais, c'est trop facile tout », on ne l'utilise plus trop. Donc finalement, de le revoir un peu de temps en temps, voilà, on crache pas dessus, quoi. Wow. Et du coup, tu vas te calmer. Boum. Ah oui, donc c'est vrai. Oh ouais, donc c'est vraiment ultra pété, quoi. Merci. Bon, bah, t'es mort, normalement. Parfait. Bien, et le matériau rare. Et du coup, on va même obtenir normalement le matériau ultra rare. Et ben parfait. Parfait, parfait. On a win. Le matériau ultra rare.
C'est 7h du matin, non 2h, c'est ouf. Vous avez obtenu un matériau extraordinaire, vous pouvez peut-être l'utiliser pour créer un badge spécial. Parfait. Bon. Ah là là. Le gantelet d'or qui est d'ailleurs magnifique. Putain, vous vous recevez ça sur la tête, je sais même pas l'état de la tête. Je pense que c'est même plus des morceaux, hein, c'est des miettes. What the fuck, c'est des miettes. Non mais vraiment abusé. What the fuck, bon ben rang A, évidemment, le rang A. Et donc du coup, gantelet d'or, oh, 150 de dégâts, étoile plus 2 slots vides, spectre du temps 88 de dégâts, tech force 5, épée spectrale 180 de dégâts, élément lumière, rubis plus et aliment rare plus, marteau enflammé 150 de dégâts, tech force 5, 4000 ennemis requis et emplacement plus, 2 démons 88 de dégâts, élément ténèbres. Ah, d'accord, eh bien, il fallait s'en douter. En fait, ah, putain, ça fait chier. Du coup, en fait, il y a que des bons trucs à garder. Pas enlever ça. J'ai enlevé ça, mais ouais, au bout d'un moment, il faudra bien un jour l'enlever. Donc, tout le plus. Ouais, parce que là, du coup, 150, et tout le... sans pas enlever. Et du coup, voilà. Au moins, c'est fait. 17 500 rubis. Alors, un masque de Skull Kid. Un chapeau de Skull Kid. 4 carpes de Maître Stalfos. Une pièce à mur de Dark Knight. Et 4 bantelettes de Gibdo. Pour 2 haricots magiques. Et du coup, on débloque la suite. Bon. Bon. Bah, écoutez, les amis, on va pouvoir s'arrêter là d'abord. On va aller voir si on peut faire des trucs à les badges. Bon, ça m'étonnerait. Hein, par contre, vu qu'on n'en a pas obtenu beaucoup d'intéressants. Enfin, c'est intéressant, mais dans le sens, à mon avis, là, on va rien pouvoir faire. C'est ce que je dis, vraiment, c'est ce que je me disais. Mais même là, je pense que ouais, c'est un peu, c'est cuit, quoi. Et là, à mon avis, c'est la même chose. Hein, à mon avis, c'est vraiment la même chose. Ouais, c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Donc, écoutez, voilà. Donc, la fois prochaine, les amis, je sais pas ce qu'on fera. Peut-être là, non, je pense pas. Je pense qu'on va finir. On va tenter de faire un truc un peu plus calme. Donc, je pense qu'on va. On se fera ça. Voilà, on éliminer tous les monstres géants. Je pense que ça peut être bien. Donc, avec Tetra. Donc, il y a un réceptacle de cœur récupéré avec Tetra. Donc, on fera, voilà, éliminer tous les monstres géants avec Tetra. Comme ça, au moins, ben, on s'arrête sur une. Voilà, sur un truc assez sympa. Pour la semaine, en tout cas. Donc, voilà, et comme ça, au moins, on peut débuter la semaine avec de l'action. Donc, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 537 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et on se retrouve, du coup, demain pour l'épisode 538. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.